Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, prépositions mit genitif. En français, on dit les prépositions avec le genitif. On a déjà vu la semaine dernière le genitif. Donc, je vous conseille de voir d'abord cette leçon si vous voulez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont liés. On commence. Prépositionnen, les prépositions. Donc, on va voir d'abord les prépositions et après, on va voir des exemples pour chaque préposition pour bien comprendre cette leçon. La première préposition, während. Während. En français, on dit pendant. Während. Während. Pendant. Innerhalb. 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 En français, on dit à l'intérieur de. À l'intérieur de. Außerhalb. Außerhalb. C'est le contraire de innerhalb. Außerhalb. Hors de. Hors de. Wegen. 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 En français, on dit à cause de. À cause de. Dank. Dank. Grâce à. Grâce à. Grâce à Infolga Infolga à la suite de à la suite de Aufgrund Aufgrund. C'est presque comme vegan, à cause de. C'est la même signification. Vous pouvez utiliser vegan ou aufgrund. Aufgrund. Trotz. Trotz. Malgré. Malgré. Bezüglich, bezüglich, concernant, concernant, ou bien en ce qui concerne, ou bien en termes de. En français, on dit en ce qui concerne, ou bien concernant, ou bien en termes de. Donc, j'espère que vous avez compris la signification de ce terme. Mit Hilfe. Mit Hilfe. À l'aide de. À l'aide de. Anlässlich. 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 En français, on dit à l'occasion. Et on va voir des exemples pour chaque préposition. La première préposition qu'on a vue dans cette leçon, c'est während. Donc en français, pendant. Pendant. La première phrase. Während der Ferien habe ich Deutsch gelernt. Während der Ferien habe ich Deutsch gelernt. En français, on dit
Pendant les vacances, j'ai appris l'allemand. Pendant les vacances, j'ai appris l'allemand. Un deuxième exemple pour la préposition innerhalb. Donc, ça signifie dans ou bien à l'intérieur de, ça dépend de la phrase. Innerhalb einer Woche. Innerhalb einer Woche. En français, on dit dans une semaine. Dans une semaine. Un autre exemple. Innerhalb eines Jahres. Innerhalb eines Jahres. Eines Jahres. Dans un an, ou bien dans une année. C'est la même chose. Innerhalb des Krankenhauses. Innerhalb des Krankenhauses. À l'intérieur de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital. Innerhalb der Schule. Innerhalb der Schule. Donc, comme vous avez remarqué, on a remplacé di par der parce que c'est le genitif. Dans le cas du genitif, on change di par der. Donc, on dit di Schule. Normalement, on dit di Schule. C'est féminin, mais dans le cas de genitif, on change dit par der. Donc, on ne dit pas innerhalb die Schule, on dit der Schule. Innerhalb der Schule. Donc, c'est pourquoi il faut voir la leçon de genitif. Et après, voir la leçon d'aujourd'hui pour bien comprendre cette leçon. Innerhalb der Schule, à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école. Außerhalb. Außerhalb. Hors de. Signifie hors de. Außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. Aussi, on dit die Stadt, mais dans le cas du genitif, on change dit par der. Donc, außerhalb der Stadt. Hors de la ville. Hors de la ville. Et entre prépositions, wegen. Wegen. À cause de. Wegen des Wetters. Wegen des Wetters. À cause de la météo. À cause de la météo. Wegen des Chefs. Wegen des Chefs. À cause des patrons. À cause des patrons. Dank, dank, grâce à, grâce à. En français, on dit grâce à. Dank einer guten Ausbildung hat schnell eine Stelle gefunden. Dank einer guten Ausbildung hat schnell eine Stelle gefunden.
En français, on dit, grâce à une bonne éducation, il a trouvé rapidement un emploi. Grâce à une bonne éducation, il a trouvé rapidement un emploi. Donc, banque signifie grâce à. La deuxième phrase. Dank ihrer großen Erfahrungen. Dank ihrer großen Erfahrungen. Grâce à sa grande expérience. Grâce à sa grande expérience. Infolga. Infolga. À la suite de. À la suite de. Infolga dieses Unfalls. Infolga dieses Unfalls. À la suite de cet accident. À la suite de cet accident. Aufgrund. Aufgrund. À cause de. Aufgrund des schlechten Wetters. Aufgrund des schlechten Wetters. À cause du mauvais temps. À cause du mauvais temps. Trotz. Trotz. Malgré. Trotz meiner Krankheit bin ich zur Arbeit gekommen. Trotz meiner Krankheit bin ich zur Arbeit gekommen. Malgré ma maladie, je suis venu au travail. Malgré ma maladie, je suis venu au travail. Bezüglich. Bezüglich signifie concernant ou bien en ce qui concerne ou bien en termes de, ça dépend de la phrase. Bezüglich deiner Frage musste ich dir antworten. Bezüglich deiner Frage musste ich dir antworten. Concernant ta question, je voudrais te répondre. Mithilfe. Mithilfe. À l'aide. Mithilfe. À l'aide. Donc, Mithilfe, ça vient de verbe. Hilfen, c'est-à-dire aider. Donc, c'est difficile, c'est très très facile à mémoriser ce terme. Mithilfe. À l'aide. Mit Hilfe meines Lehrers habe ich die Prüfung bestanden. Avec l'aide de mon professeur, j'ai réussi à l'examen. Donc, on dit avec l'aide. Dans ce cas, on dit avec l'aide de mon professeur. On ne dit pas à l'aide parce que c'est, le professeur, c'est pas un outil. Donc, on dit avec l'aide de mon professeur, j'ai réussi à l'examen. Et la dernière préposition, anlässlich, à l'occasion. Anlässlich, à l'occasion. Un exemple, anlässlich deines Geburtstages schenke ich dir dieses Buch. Anlässlich deines Geburtstages schenke ich dir dieses Buch. Pour. En français, on dit à l'occasion de votre anniversaire, je vous offre ce livre. À l'occasion de votre anniversaire, je vous offre ce livre. Merci et au revoir.